Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de deck. Je vais vous montrer ce que contient le deck Loup-Garou que je viens de choper. Parce qu'en fait, là, comme vous pouvez le voir derrière, là, il y a le jeu Académie de Combo, donc c'est pour jouer aux cartes tout simplement. D'ailleurs, boîte que bah, petit coffret que je vous recommande qui contient un plateau de jeu. Je vous mettrai peut-être des photos si j'arrive à en faire. De toute façon, je vais refaire une partie après, je pense. Au moment où je tourne la vidéo, c'est pour apprendre à jouer. Et en fait, dessus, il y a trois decks. Il y a le deck Evoli, Pikachu, Pyrobut. Après, il y a des jetons, bah, les marqueurs de dégâts, les une pièce pour faire le pile ou face. Puis après, bah, c'est bien expliqué les règles dessus, quoi. Donc voilà, c'est un truc que je vous recommande. Donc on va se l'enlever. Hop, ça vaut 30 euros. Franchement, c'est plutôt pas mal pour apprendre à jouer au jeu de cartes. Là, on va se concentrer sur Loup-Garou. Alors, on va essayer de s'ouvrir ça. De toute façon, on n'a pas le choix de faire comme ça. N'a pas le choix. Donc, on va lire vite fait avant. Alors, dans chaque deck de combat V, vous trouverez un deck prêt à l'emploi de 60 cartes, 3 cartes de référence, un livret des règles, un tapis de jeu pour un joueur, des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée, un étui à cartes, un guide rapide pour bâtir vos stratégies et une carte à code pour jouer en ligne. Le seul jeu en ligne, malheureusement, c'est un peu chiant. Il y a un moment que j'y suis pas retourné, mais comme on a toujours les mêmes jeux, c'est les mêmes cartes. Allez, de toute façon, on ouvre ça. Et pour accéder à la boîte de Loup-Garou. Voilà. Hop, je vous le rapproche un petit peu. Donc c'est remarqué tout ce qu'il y a dedans en fait. Gros percutant au crépuscule avec Loup-Garou V. Alors, comment on procède? Je suppose qu'il faut. C'est là derrière. À mon avis, il y a des pointillés. Tant pis si c'est malheureux. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Alors. Donc il n'y a plus rien. Ça se présente comme ça. Donc là, on voit la carte de Loup-Garou. Voici le Loup-Garou. Donc 200 PV. Jet de pierre à 40. Une seule énergie. C'est déjà pas mal. Gros percutant 200 pans. Votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Enfin, c'est toujours mieux que de perdre des fois des énergies. Voilà. Très belle carte. On va mettre ça de côté. C'est le code carte. Ça, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut faire? Perle. À chaque tour, ouais, les étoiles, c'est des petites règles. Là, les marqueurs de dégâts. Bon, là, c'est peut-être le tapis de jeu, mais bon, ça, je vous mettrai une photo. Ah, ouais, non, le tapis de jeu, il est là parce qu'il y a les cartes récompenses. Et là, les règles du jeu en bref. Donc, on va s'enlever tout ça. On va mettre ça là. Le petit jeton pour faire les piles ou face. Voilà, avec Loup-Garou, assez beau. Donc, deck qui coûte 20 euros. Ouais, donc, c'est bien, il y a bien un paquet. Et justement, il reste un emplacement là, dans l'académie de combo pour mettre justement un autre deck. Donc, on va donc là, les énergies. On va passer ça. Une super bowl.
Donc là, taux-piqueur. Avec tunnel, 10, ouais. Paul artichaut, des énergies. Ah. Trio-piqueur. Ok, plutôt joli. Ensuite, donc des énergies. Vous voyez des bonnes cartes là. Canard Tichot de Galar. Dresseur d'arène. Ou un Stylix. Hop. Qui tape à 180. Nos énergies. Canard Tichot. Encore un taux-piqueur. Simularbre. Voilà, Super Ball. Oh. Un Onyx. Ça continue, cuisinier. Corde de sortie, scout. Palartichaut de Galar. Taux-piqueur, canard-tichaut, trio-piqueur. Donc on continue. Petit souci technique. Donc un Stylix, canard-tichaut, Onyx. Ouais, de toute façon, il y a les mêmes. Palartichaut, taux-piqueur. Ouais, voilà, ok. Voilà, comme ça vous aurez vu ce que contient le deck Lugarok. Voilà, pas oublier de rajouter le Lugarok dedans. Voilà, donc ça sera tout pour cette petite vidéo ouverture de booster Lugarok V. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye!